Oh non, mon dieu, on est séparés. Mais Ellie, reviens. J'ai ton écran ici, viens, viens de mon côté. Vite. Viens de mon côté. Mais non, mais viens de mon côté, tu fuis là. Viens de mon je côté. Je veux plus te voir. Viens de mon côté, t'es où? Leave me alone, bitch. Attends là, comme ça. Le fil d'Ariane. Il est où? Elle est où? T'es où? T'es où? Allez, bonjour tout le monde, c'est les Chemen. Salut. Il y a... Wow. Là, tu vois, même le cube a empêché de dire salut à tous. Il y a un cube en or. Et il y a une femme. Vite. Tu peux parler, hein. On fout de la femme. Non, mais B, elle va te dire. Wow. Mais genre, je vais acheter un... c'est ça. Et c'est pour acheter un personnage jouable. Ah bon? Oui. Parce que, tu sais, chaque... déjà, il faut avoir tous les personnages jouables. Et ensuite, certains personnages ont des compétences spéciales qui te permettront d'avoir des trucs. Donc, bon, on va pas l'acheter. Bon, bienvenue dans cette troisième partie du Cheetah Play sur Jurassic Park. Lego, le jeu Lego Jurassic World. Et c'est le premier film. Donc, là, on a repris juste après la séquence. Et on est, en fait, séparés. Parce qu'on a débloqué le monde libre. Voilà. Et on se retrouve, donc, les deux, Amande et Professeur Settler. Donc à l'accueil de Jurassic Park, et il y a la team Grant et la team Malcolm qui sont au l'enclos du T-Rex, pas très loin. Hein. Parce que qu'est-ce qu'il fout là dans ce cas-là, lui, Donald? Mais ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là? Parce qu'on a une info. Eh, va te vendre l'enclos T-Rex. Ah, c'est pour l'acheter parce qu'on est en mode libre en fait. On n'a pas lancé de mission encore là, parce que le mode libre a été débloqué. Pour bien j'achète Donald, tu vois, j'achète. J'achète que Donald, il est quand même pas mal, il est sympa. Il est RP. Oui, en fait, on est en mode libre. Simplement. Est-ce que tu veux Il y a un cube là aussi. Putain, le mec il vient fou à cause des cubes. Mais comment on fait pour y aller? Là, faudra tirer là avec une corde ou un lasso et tout ça. Bon, on le fera plus tard parce que de toute façon on peut pas là. Donc on essaie de continuer. On veut continuer Jurassic Park 1 nous. Comment on fait? Concrètement, comment on fait? Est-ce que tu crois qu'on peut Je aller Je pense qu'il faut prendre E. Et comme sur la carte, on est pas loin de l'enclos du T-Rex là, tu vois. Et c'est là la zone de lecture. Donc je pense qu'il faut continuer. Qu'est-ce que t'en penses? On y va alors. On continue ou on fouille le centre des visiteurs? On s'en fout du centre des. Pardon, là, on continue. Ouais, on continue. Attends, mais par contre, t'es où sur la map? Parce qu'il faut peut-être. J'ai vu qu'il y avait un parc à dinosaures. Ouais, mais c'est là. Ici, là. Ah, c'est ici, là. Il y a un dino-parc. Ok, donc on y va. Il met des coups de cul quand. Hop. Bon, je vais dans la bagnole. Elle va sur un rail, regardez. C'est RP, on peut pas la. On peut pas aller n'importe où, tu vois. Oh, merde, je peux quand même t'écraser, quand même. Je peux quand même t'écraser. Mais moi, ce parc m'intrigue, là. Ouais. On y va, viens, on y va. On va voir ce que c'est. Et c'est quoi cette tanière là? C'est une tanière à Lego. Attends. Il écrit B. Il écrit B quand on s'approche trop. Bon. C'est parc à quoi? Et c'est quoi ça? B. Merde, je me suis noyé. Bienvenue à Jurassic Park. Ah, histoire ou jeu libre? Ah, mais histoire. Histoire. Oula, non. Non, 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 non. Wow. Non, non, non. Non, non, non. Ah non, c'est le pardon, c'est le chapitre. Bienvenue à Jurassic Park. Ah, en fait, on est des Mongols. En fait, ça c'est la carte du monde et on peut refaire les missions. Tu vois, là c'est la mission du début. D'accord. Et là c'est la mission avec le Triceratops. Là c'est l'enclos du Triceratops où t'es, tu vois. Ah ouais. On est en mode libre. Mais en fait, non les gars, il faut nous excuser. Parce qu'en fait, nous on est en mission tranquille. On fait croix pour continuer. Paf, mode libre. Plus aucune mission, plus rien. Et là il y a quoi là? Du coup, il faut. Là, et là il faut. John Amand. Il est trop long à amener. Et là en fait, là tout ce que tu vois c'est le Triceratops. Parce qu'en mode libre, t'as le Triceratops et tu Mais vois où c'est tu pas veux. Le Triceratops où je suis là. Mais c'était là où il était le Triceratops à peu près. Je suis pas sûr. Si, pas loin. Il faut qui là? Il faut un Vélociraptor. Eh, il y a un truc à fouiller là-bas aussi. Si, c'est là où on a traversé la route et tout un peu. C'est ressemble. Bon, on continue les missions. Ah oui, oui. Mais bon, du coup, faut monter dans la même voiture et continuer vers le T-Rex. Ok, donc là, là, je pète des trucs, mais ça compte voilà. Pas. Ça compte pas dans le mode libre. On a moins de oui, c'est l'argent du mode libre là. Putain, mais c'est... Ouais, mais attendez les gars. Ouais, mais du coup, c'est un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que je voulais que ça enchaîne l'histoire à fond, moi. Non mais il faut la, faut la comme on a débloqué le mode libre, parce que par exemple il y a certains qui aiment beaucoup le mode libre. Et bien voilà, là on peut continuer l'histoire. Mais faut bon, y aller pour la continuer, donc va dans la bagnole, vas-y, continue. Moi, je mais du tout. Coup moi je normalement il y a les enfants, il y a mais la, ça ils vont arriver, je suis sûr qu'ils y seront. Là c'était juste pour l'acheter en mode libre, tu vois. Mais la transition est un peu brutale quoi, ils sont là. Merde, c'est cassé. C'est quoi? Vas-y on y va. Vas-y. En même temps, on vit une séquence qu'on n'avait pas vue en fait dans le film. Voilà. Josh, employé du parc, vous allez devoir trouver un autre chemin. Il y a eu un éboulement enfin. Vous avez marqué, je suppose. Et mec, on veut juste faire l'histoire du film, nous. Alors, tes histoires de quêtes annexes, tu vois. S'en tape on s'en peu, bat les quoi. Couilles, tu vois. Écoute-moi, John. Ah, je peux monter, regarde, non. J'ai pensé sans compter pour te taper. Voilà. Donc, moi, ce que je veux. Ok. Putain, qu'est-ce qu'on doit faire? Désolé, ça va pas être possible de passer là. Oui, bien sûr. Je veux bien, mais comment? Mais moi, je fais la mission. Il y a un cube en or là-haut. Regarde, t'as vu? Il y a un mur d'escalade.
Ouais. Et après, il y a un lasso. Et il y a les enfants, ils sont là, ça y est. Et l'avocat et tout. Et il y a le gosse alors qui est pas là. Il est pas là, le gosse. Et donc, ça veut dire que. On doit faire quoi? Ça veut dire concrètement qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On est bloqué là. Pourquoi vous traînez à côté d'un éboulement? Et là, c'est quoi là? Si on passe dans le parc là. Ah, on peut y aller, viens. J'arrive. Attends. Je voulais grimper à l'arbre, blablabla. Mais on peut pas faire l'émission? C'est le parc à la T-Rex. Ah, il y a un mec à l'envers. Ah, mettre la chèvre peut-être, non? Je sais pas. Ah, tu mets la chèvre, regarde. Parce qu'il est à l'envers lui. Et là, faire que. Ah, c'est toi pour couper la corde, je pense. Triceratops. Customisé. Oui, il y a des customisés, tu sais, mais genre. Il nous le faut. C'est pour faire pop un. Oui, c'est vrai, il nous le faut, il est faut là, tu vois là. Ok, j'arrive. Où ça? Là. Ok, là j'arrive. Et il faut couper la corde avec Alan Grant. Tu maintiens. Attends, je vais prendre Alan Grant. Voilà. Parfait. Oh, il y a un dilophosaure. Et la tempête commence à arriver. Au secours, venez m'aider. Je suis encerclé. Je suis encerclé. Ok. Moi, je coupe la corde déjà. Ah, vas-y, coupe la corde. Donc, moi, en tant que Tricera. Oh, ils se battent. Tu vois ta gueule, toi? Ok, d'accord. Pourquoi ça marche pas quand je coupe la corde, regarde? Faut tapoter. Ah, faut tapoter, ouais. Je me tenais, moi. Ouais. Je casse tout, moi, tu vois, un peu. Là. Du coup, je vais te libérer. Laissez-moi vous remercier. Voilà. J'ai rien compris. Là, j'ai gagné, un Lego. J'ai tué Dilophosaure, je les ai tous tués. Hein. Je les ai tous crevés. Donc là, il va nous mettre une échelle. Et du coup, on a passé de l'autre côté. Et là, c'est bon. Et on peut faire d'accord, le T-Rex. D'accord. Donc en fait, ils ont. Ouais, en fait, c'est par rapport au. Entre les cutscenes. Ouais. Ils ont voulu meubler, aménager un truc. Non, mais là, le seul problème qu'il y a, je trouve, c'est que. On a été jeté direct. Là, ouais. Ouais, nous, on attendait à voir la scène du T-Rex. Bah ouais. Et en fait, non. Parce que moi, j'avais pensé que le mode libre, ça serait genre, bah, tu fais start et mode libre. Ouais. Parce que nous, on fait le but que je pensais. C'est hein. Mission, quoi. Non, non. Ok. Donc. C'est vraiment que là-bas, il y a un truc. Il y a une échelle là. Ouais, il y a un cube d'or. Bon, tant pis. Je sais pas comment on y va. Bah, on verra, peut-être on verra un jour. On fera une vidéo bonus sur des cubes d'or, mission annexe, tout ça, tout donc ça. Là, on est de l'autre côté. Voilà. Mais les enfants, comment on les récupère? Bah, c'est ça le problème. Voilà. Attends. Faut qu'on dégage cette route. Ah, okay. Donc du coup, on va peut-être avoir un truc pour comme dégager. Ça, on aura un marteau piqueur. Parce que vu que c'est des Lego, normalement, on va pouvoir les calmer. Ouais, ouais, ouais. Non, mais attends, on peut changer le personnage parce que. Vas-y, moi, je veux pas trop, moi. Moi, je veux. Ah, vas-y, vas-y, prends le. Moi, je veux Malcolm. Zéro point grand. Voilà. Alors. Comment ah, mais il faut la meuf là. Ouais. On peut pas l'avoir. Eh, c'est pas la truc. Il y a le générateur. Non, c'est pas là. Hein. Mais non, c'est pas là du tout pourtant. Attends, il y a un truc là. Créé. Je vais creuser moi. J'espère que je trouve ici. Sinon, bah, on va essayer de voir comment on peut lancer la mission parce que là on est un peu baumé quoi. Bah, surtout que ouais. Allez, c'est un marteau piqueur, ça y est. Là, c'est pile ok. Qu'il nous faut. Une donc là, tu veux tout marteau piqueur. Il le prend lui. Voilà, il le prend. Vous devez être à bord d'un véhicule pour passer. Ah, c'est lui qui te dit ça. Oh, le karaté que tu l'as fait là. Ah, il a tout cassé le mec. Parfait. Allez. T'es gentil, maintenant tu nous laisses passer. Voilà. Ça y est. Il y a les bagnoles. Donc là, on va récupérer le parc à l'enclos à T-Rex. Sûrement. Voilà, je pense. Hein. Attends. Ah, elle roule, parfait. Ça arrive ? Elle roule, ah, ça y est, super. Elle monte avec moi. Ok, donc en fait, il voulait te faire une transition forcée par le mode libre pour t'expliquer comment ça marche. Ok. Voilà, j'en étais perturbé un peu parce que moi je pensais qu'on allait faire l'émission tranquille. Mais moi aussi. Quoi, voilà. Bon alors. Allez, c'est parti. Allez, vous cherchez voiture. Hop là. On y va, on continue. On avance dans la zone. Ils arrivent au parc à T-Rex. Vous ne saviez pas ça, je parie. Fermeture du parc. Le porté vers l'avenir, le monde 32 ans, le mois. Bon, j'espère que c'est la bonne mission, hein. Que. Bah, oui, y a pas de toute façon, on est encore en mode libre. On va voir. Ah, ah super, c'est ça, y est, ça y est. Ouf. Oh, j'ai fini de débugger le. Oh, attendez les gars, ça risque de couper un peu la vingtaine de minutes. Ah, salut, je vais me raser aussi. Voilà, vous voulez pas des KitKat? Hop, j'appuie avec ma Magic Mouse de Mac. Ok, ça y est, ça a tout cassé. Salut. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien fait, hein. Okay, ah, bah laisse pas chier les mettre. Allez, c'est pas fait chier les mettre, le mec là. Il fait waouh, toutes les clôtures. Oulala, oulala, puis là, où les voitures sont-elles arrêtées devant l'enclos de tyrannosaure? Oh non. Plus de lignes. Plus de lignes. Bordel, c'est oh bordel, non, ce c'est quoi ce merdier? Tu as pas dit. Ah, t'as pas dit le mot magique. Je me demandais si vous auriez la mobilité de me réunir, petits enfants. Ouais. D'accord. Allez, vas-y, tirage à mort, Arnold. Oulala. Scène culte, on se scène tait. Scène épique, on se tait. Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Est-ce que t'as senti?
C'est quoi ça? Comme ça, celui-là. Quand faut y aller, faut y aller. Jouer là. Putain, mais moi j'ai pas envie de jouer, moi je regarde. Moi j'ai envie de regarder. C'est fait à la perfection. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. Juste, j'allais dire, fais chier, ils ont pas mis la scène de la chèvre. Mais forcément, ouais. Vu qu'ils font du violence. Ils font tuer. Oh, je tourne. Il a mangé le panneau, c'est tout, il a viré le panneau. Et viens, on peut aller au shot nous aussi. Allez, on va au shot nous aussi. Ça, j'en vais. Ah, c'est qui? C'est toi ça? Qui peut aller aux toilettes, je crois. Ouais, c'est moi qui vais aux toilettes. Va aux toilettes, vas-y, va aux toilettes. Eh, non, mais oh, la fidélité de la scène là, c'est magnifique là. Il manquait que le jumel de Tim aussi, hein. C'est un autre alors. On sait pas qui c'est ce mec. Je sais pas, non. Bah, un autre. Voilà. C'est pas le mec du 3 quand même. Non, il ressemble pas à ça. Qu'est-ce qu'il vient de foutre là? Bah, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Là, c'est pour la. Parce la que fille, du coup, là, il faut qu'on. Normalement, faut qu'on aille dans la voiture. Ouais, éventuellement les sauver, les gamins. Bon, voilà quoi. Eh, mais c'est vachement bien. Là, je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est là, très joli. Hein. Pas, c'est j'attendais cette scène, c'était très joli. Hein. Ouais. Attends, fais voir ce que tu vois, toi. Ah, y'a un truc là. C'est le chasseur, ça. Ah ouais, ça va être le chasseur. Ah, c'est quand ils vont dire y a des restes de Gennaro ici. Ouais, là aussi, tu sais. Ils vont essayer de trouver des morceaux de lui partout. Alors qu'il se fait manger en fait. Nous, les enfants, on les laisse tranquilles. Ouais, nous, bon, tant pis, hein. Nous, les enfants, d'abord on casse. Après, éventuellement, on ira peut-être vous aider. Là, il faut farmer tout ça. Et regardez c'est bien. Vraiment, il faut prendre les fusils éclairants. Viens, ah, attends, regarde, on va aller sur le rebord là. Regarde. Là, la fosse. Regarde là. Et bien voilà, le jeu fait la même erreur que le film. Il sort d'où le trou là? Il sort d'où la fosse? Et le T-Rex il vient de marcher par là. Et tu vas me dire qu'il y a un trou de 100 000 km. C'est ça. Et t'as une désherbe voilà. Là. Ok, il m'a tapé. Vas-y, mais lui c'est bon. Ah ouais, je vais y aller. Eh, c'est Paul Kirby en haut, regarde là. Oublie, c'est lui Kirby là. Ouais. La tête. Non mais, voilà, n'importe. Et franchement, au moins ils reprennent la même erreur que le film. Mais vous avez vu quand même la fosse. Il y en a pas un qui a vérifié, les gars, dans le film. Hein. Ça, c'est un truc. Moi, quand je regardais, je me dis, mais pourquoi il y a ça? Au début, je croyais que c'était en face. Pourquoi il y a la fosse? J'étais crédule. Je disais, ah, c'est peut-être que c'était en face, tu vois. Non, c'est pas en face. C'est d'où il vient. Et ça tombe dans le trou comme ça. Il fait des ronds. Oh là, il a peur, Grant. on évacue l'eau. On sait pas pourquoi. Si, parce qu'en fait, c'est pas comme dans le film. J'avais vu un petit peu cette scène. En fait, ils vont faire un truc, tu vois. C'est les Lego. C'est assez bien fait. Je trouve ça assez bien trouvé. Donc vas-y, crée tout ça là, voilà. Là c'est une boîte. Donc on s'y met là. J'appuie, on va tourner. C'est pour faire distraction. Là c'est une boîte de musique. Là c'est une boîte de Jurassic Park le thème en plus. Ouais. Et là c'est quoi, voilà. Voilà, un os. Un os sur ressort pour lui. Pour le calmer. Ça sent l'os, il fait comme le chien. Ouh, un os. Oh putain, un os les gars. Allez, et voilà. Ouais, tu vois, je suis un peu déçu. Comme on est joueur mature et qu'on est gros fan de Jurassic Park, pour une fois, ils auraient pu faire un Lego Dark. Non, pas un Lego. Moi, s'il y avait sur Kickstarter un jeu comme Uncharted, tu vois, un TPS sur Jurassic Park, Tomb Raider en aventure, tu vois, mais c'est que c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'il écrase, il en tue, il les bouffe et tout. Là, j'achète direct, je mets 1000 euros de suite. Là, c'est excellent, mais on voit les limites, effectivement, au côté enfantin, quoi. T'as pas le choix. Bon, après, c'est sympa de faire la scène, mais c'est vrai que ça aurait été marrant de voir, tu sais, qu'il bouffe le pneu et tout, il écrase vraiment les enfants dans la merde et tout, voilà quoi, merde là. Et la fosse, évidemment, les gars, mais d'où ça vient? Ça.
toute façon, vu que le film avait ce problème là, évidemment, il est évident que le jeu allait évidemment reprendre la fosse, sinon c'est pas marrant. Là, c'est pour le chasseur. Regardez, il se bat avec son os. Le petit. Oui, il est pas content, il me stompe. Je vais essayer si on pouvait un peu tâter du T-Rex. Non, on veut pas. Vas-y, tapote, sors les enfants, toi. Occupez-vous des enfants. Bon, normalement, il y a Malcolm, ouais. Il va finir dans les toilettes après. Si, mais il reste. Hein. Attends, elle est en tenue survivante, tu vois. Ok. C'est pour ça qu'elle est, elle est sale. Donc, moi, j'ai lui. Du coup, je vais dans le corps. Peut-être voilà. Malcolm va se faire chasser là. Ils peuvent crier. Ah oui, Lex, elle peut crier. Ah, ça. Ah, ça casse les vitres. Ça casse les vitres. C'est ça. Oh putain. Merde, ça va l'attirer. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ok. Oh shit. Donc là, il va commencer à taper. Il tape le bagnole, évidemment, il tape tout. Oh putain. Donc là, qu'est-ce qu'il va récupérer les lance flares là, les trucs voilà. Là. Hey, comme ça. C'est essayer de bouger, il va lui dire, voilà, exactement. Il s'en fout, occupez-vous les gosses. Et hop, il va courir. Voilà. Là, il en a rien à foutre. Et on va regarder la scène quand même. On peut la voir vite, il faut qu'on aille la voir vite. Il faut sauver. Ah, c'est pas encore passé en fait. Il n'y a plus le T-Rex. Et voilà. Comme quoi, Malcolm l'a vaincu. Et a réussi à sauver aussi Gennaro. Mais il est passé où du coup? Il n'y a plus personne. Attends, c'est quoi là? Attends, faut que tu creuses toi. Vas-y, creuse. Mais il est passé où là? Tu m'expliques. J'ai pas compris là. Il est passé où là? C'est quoi ça? Oh, c'est la chèvre! Il y a 3 chèvres à trouver, ok. Attends, du coup, il faut sauver l'autre, le gamin. Non, c'est pas des chèvres ailleurs. Et là, c'est la merde. C'est le caca. Non, mais je pense que peut-être que c'est dans le caca qu'il y avait une autre chèvre, tu vois. Attends, on y va là. Attends, on va sortir le gamin, mais où? Comment on le sort le gamin? Ah là, il y a un truc à faire là. Là, on peut remettre la voiture, là, voilà. Le treuil? Ouais. Ah ouais, exactement. Du coup, vas-y, on le tire. Là, ça fait penser au monde perdu là par contre. Là. Perdu. Mais c'est normal qu'ils aient réaménagé cette scène parce qu'il faut en faire une scène jouable, un gameplay. Et après, il faut aussi l'édulcorer. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, mais moi j'aurais trop aimé voir la vraie et voir ce que ça fait. Mais bon, pour des Lego, ils auraient pu la faire en vrai exactement. Donc là, on va la treuiller, voilà. On la sort de l'eau. Et le gamin, il est là. Oui, mais normalement le gamin il tombe dans l'arbre. Donc on va voir si le T-Rex revient là. Ouais, je pense pas. Non, je pense pas. Ouais. Mais j'espère qu'on va. Si, bah si, parce que comment tu veux expliquer Malcolm il est. Hey, là ça marche pas. Du coup, ils refont la scène bien, voilà, bien ils refont quand la même, scène. C'est bien. C'est bien. Donc, est-ce qu'il bouffe là, il sort du PQ. Il va manger le PQ. Il va manger un homme en PQ, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Oh là là, même, exactement les mêmes angles. Mais derrière. Hey, salut. Et là, il se défend avec sa brosse à chiottes. Il le mange quand même. Oh. Attends, on va voir. Ah, ça va lui nettoyer les dents. Mais que de violence. Ah, enfin, j'ai dit enfin. Et là, évidemment, on voit la scène avec le pied. Tu sais. Qu'est-ce que c'est? Elle est une meuleuse et tout. Donc là, elle hurle. Voilà, magnifique scène. Elle va crier, il va dire de se taire. Après, ils vont tourner parce que la voiture tourne. Voilà. Comme ça. Ils tournent. Et après, ils vont sauter dans le ravin. Voilà. Après, elle va s'approcher. Donc, ils ont été super bien. C'est bien, super parfait, fidèle. Parfait. Ouais, parfait. Effectivement, comment T-Rex peut passer une fosse comme non, ça mais même il y avait la chèvre qui était là et tout, et, et d'un coup il y a ça, tu sais. Et personne s'est dit, le gars c'est un peu bizarre quand même. Ouais, c'est bon, ok. Mais je te dis, moi quand j'étais petit, j'étais crédule, je croyais que c'était l'autre côté. Mais non, c'est pas l'autre côté. Hein. C'est tant que tu l'as coupé. Oh le bâtard. Aïe. Parce que normalement on descend pas comme ça. Ouais, normalement on tombe un peu. Hop. Et ouais, on se fait pas chier à monter dans la voiture, je pense. À moins tu crois que. Ah si, c'est tellement culte. Timmy. Ok, quoi, ton gars, cool, super. Ah, ils ont vraiment bien fait la scène, hein, putain. Ok, il y a des cibles dans l'arbre. En fait, tu dois rejouer tout le temps la scène. En fait, faudrait noter avec qui tu dois le faire à chaque fois, c'est ça qui est relou. Ouais, 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 trop de rejouabilité là. Ouais, là c'est immense là. Attends, je suis la fille, moi, ok, donc c'est parti. Là, c'est quoi là? Là, il me faut un volant, il me faut une manivelle, ok. Là, il faut, je sais pas qui. On sait pas qui c'est. Je sais pas qui c'est lui. Ouais. Attends, mais qui ça peut être? Oh putain! Mais. Ok, un dilophosaure. On l'a les couilles, on le tue. T'as pour récupérer un cœur. Putain, je vais crever moi. Hop. En fait, moi je suis habitué, je suis dans le film donc je suis pas habitué à ce qu'il y a un dilophosaure qui vient de m'attaquer quoi. Bah oui, il y en a pas dans mon jeu. Mais attends. Mais oh putain! C'est quoi? Un cochon! Qu'est-ce qu'il fait là le cochon? Là c'est pour sauvegarder. Là c'est pour toi qui creuse. Attends, mais il fait quoi le cochon là, regarde? Mais il est suspendu! Ah! Elle avait un mini kit, pour la peine je crie. Tu peux le prendre ou pas? Un cochon!
Jure en cochon. Vas-y, tiens, tu peux creuser ici, là. Donc il va falloir la chercher Timmy dans l'arbre. Hop, allez, creuse, creuse, creuse. La manivelle. Voilà, super, c'est la manivelle pour là-bas. Tu dis où il faut aller. En tout cas, ça confirme quand même que c'est vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est un excellent jeu. Parce que forcément, quand on est fan, là, ça a rien que ces scènes. Ah, t'as des os là-bas, t'as eu ? C'est parce que ça va s'ouvrir, non ? Mais c'est là où on se cache, normalement, dans la. C'est là où on rentre, en fait, là. Ah, tout ça s'ouvre là. Merde, ça évacue tout. Ah, il y a peut-être des. Ah, ok, d'accord, il y a un squelette à monter. Alors. Vas-y, le paléontologue. Et ouais, comme ça, hop, et moi, comme je suis la fille, je saute. Voilà, t'as fait un magnifique mille balancier là. Là, je te fais balancier, je crois. Attends, j'ai glitché, je crois. Attends. Vas-y. Attends. Faut y marcher juste, je crois, peut-être. Et B. Attends, ils disent B. Attends, ils vont expliquer. Il faudrait deux personnages tels que. Pour essayer les balançoires à Lego. Mettez-vous en position, appuyez sur. Vite. Attends, appuie sur B. A, B pour s'asseoir, tu vois. Ouais, c'est ce. Et que triangle, celui de A, ok. Vas-y. Toi que tu viens en fait. B. Mais j'ai fait B, regarde. Là je fais B. Vas-y, et moi je fais quoi? Donc tout à l'heure, en fait, tu sautes, fais croix. Ça avait marché. Quand t'es sur le truc bleu. Ah, attends. Ok, sors-toi, attends. Vas-y. Là je me mets là. Ouais. Attends, pousse-toi. Là je me mets en place. Ouais. Et toi tu fais. Vas-y. Attends. Là vas-y. Et là tu fais croix, saute. Ah, parce que moi il n'y avait pas là, il n'y avait pas écrit A moi sur mon truc, c'est pour ça, tu vois. Du coup là. Toi. Les personnages agiles, mais t'es pas toi le personnage agile. Fait qu'on fasse l'inverse, je crois. Attends, essaye de sauter pour voir. Mais attends, je pense que du coup, c'est moi qui dois me mettre là. Et moi, je peux pas te porter pourtant. Moi, je peux que crier. Ouais, mais moi. Du coup, vas-y. Vas-y, on va essayer comme ça alors. Vas-y. Hop. Mais toi, tu peux pas, toi. Attends. Ouais, y a un truc. Si tu restes et que je retombe, c'est moi qui t'envoie après. Ouais, je pense, ouais. Là, tac. Je retombe. Mais pourquoi, attends, mais pourquoi ils ont parlé de triangle, je comprends pas. Mettez-vous en position, appuyez sur B, d'accord. Et appuyez sur triangle suivi de A pour l'activer avec un autre personnage. Ah, c'est ça peut-être. Mets-toi en place. Clac. Fais triangle. Ah non, mais c'est toi quand tu joues tout seul, je suis bête. Mais attendez, je vais bien qu'on soit des Mongoliens, mais quand même quoi. Et toi tu peux pas sauter, c'est pas toi qui saute. Et là, comment on fait quand on a deux les gars là? Parce que normalement tu prends la fille et tu la fais téléporter. C'est B maintenant. Ah ouais, vas-y, retombe. Et pourquoi elle se met en place alors, je comprends pas. Vas-y, mets-toi en place. Eh hey, mais j'étais en place donc c'est bon moi. Vas-y, fais B. Voilà. Voilà. Ouais, c'est A. Bon. Ah, c'est bon cette fois. Ah voilà, c'est ça. Ok. Et là, c'est quand on saute, c'est tout. Ok. Hop. Ensuite. Sauter, hein. Ouais, attends. Je fais la gymnastique hein. Là. Une arme à distance, une balle de baseball ou de L pour frapper les cibles Lego, ok. Non, c'est lui plutôt qu'une balle de baseball, pas moi. Oui. Là c'est faut que toi tu casses. Ben, comment je fais pour monter maintenant? Ah non, j'ai une balle, ok, parfait. Je fais ça, voilà. Et là tu vas faire une corde peut-être. Je fais une corde, enfin ou je sais pas quoi, un truc en pot de dino. Voilà une échelle. Là, elle est là. Parfait. Là tu vas couper les lianes. Tim, j'arrive. Moi aussi j'arrive, mais je suis pas de la partie, mais j'arrive quand même, tu sais, je viens. Du coup là je coupe avec je sais pas quoi. Carré là. Voilà, parfait. Donc là ensuite ça nous sert de liane pour monter, je pense. Il y a une liane là. Donc on monte. Il y a l'autre. Hop. Je peux monter. Vas-y monte alors, parce qu'il y a des trucs à couper, donc vas-y monte. Va tout en haut avant de sauter. Et il y a des trucs à couper pour toi, des fougères là. Monte. Le mec il est tombé. Attends, pourquoi ça va pas? Ah non, c'est par là, je pense. Ah oui, il faut que tu sautes à gauche. Ah ouais. Et là encore, là. Ok, on allait trop. Mais. Oh, c'est nul, je suis tombé comme une grosse merde, là. On allait trop vite en besogne, vas-y. Ah voilà. Oh non! T'as vu? Ouais! Il y a un bug de plateforme. Ok, j'ai pas réussi à l'attraper non plus. En tout cas, c'est quand même super bien de jouer. En fait, de refaire le film. Ah ouais, l'arbre et tout, c'est trop bien ça. Attends. Le premier, t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'élan en fait. Ouais. Là, y'a un truc là, si j'appuie sur A. Voilà. Beaucoup d'élan, par contre, là, ça. Escalade. À gauche là. Oui. Voilà, parfait. Tu fais de l'escalade maintenant. J'ai ma balle de baseball. Et c'est bien parce que l'arbre est vraiment grand comme en vrai quoi, tu vois. Voilà, faut y aller sans tomber. Donc vas-y. On se concentre.
Super. Parfait, on gère là. Allez. Hop, je peux refaire un trampoline. Voilà, parfait. Du coup, tu Il y a un truc à chercher là, c'est pour qui, c'est la fille ou c'est qui là? Bon, je crie. C'est qui peut aller là? Je sais pas. C'est le team. Timmy. Hop, on maintient A, voilà. On fait ça pour y aller. Là, on maintient A parce qu'on. Merde, fais attention. Je suis tombé comme un con, faut que je fasse tout. Je me suis fait avoir, mais c'est parce que en fait, faut que t'ailles à gauche. Là, faut sauter sur les. Ah, fais H parce qu'ils disent. Ah, c'est ça, ouais. C'est automatique. Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais nous, on essaie trop de faire des trucs difficiles. Voilà. Là, je vais faire des double jump là. Voilà, parfait. Donc, je me mets là. Merde. A. Ok. Ah, comment je peux pas, là, je peux le faire? Ah, peut-être qu'il faut peut-être deux personnes. Personnage agile, je pense. Vas-y, ouais. Les mushrooms, ça saute. Ouais, c'est personnage. Ouais, ok. Là, balle de golf pour toi là. Voilà, il y a un pneu. Et là, faut que tu coupes toi là, ici. Et voilà, tac, parfait. Tac. Voilà, tu montes là, tranquille. Il y a une boîte là, deux. Ah ouais. Exact. Là, il y a là, tu coupes ici. Encore, vas-y. Oh putain. Ah là, il faut que je pète la vitre. Voilà, on voit les vitres, il faut les péter comme ça. Voilà, ça ouvre tout en plus, parfait. Tu vas le chercher. Il va dire qu'il a vomi. Ça va. J'ai vomi. Voilà. Bon, bah, je te laisse dans la voiture alors. Hein. Donne-moi ta main. Elle est là, tu sais. Ah, t'as vomi, c'est dégueulasse et tout, tu sais. Et là, pareil, erreur dans le film. Hein. Ils sont là à côté. Mais ils se mettent dessous la voiture quand elle descend. Alors qu'ils sont à côté, tu sais. Il suffit d'aller à côté. Mais non. C'est plus marrant de descendre vite. Donc là, j'ai vu que dans le jeu, il y avait certaines courses. Donc c'est peut-être une course là aussi, il faut descendre vite, à moins que... Capoter ? Non, c'est bon en fait. Mais par contre, la prochaine scène, il y aura une course. Avec les... Avec le T-Rex et ouais. La fille là, et le Robert. Robert ! Oh putain, ça... oh, il m'a glissé dessus comme une luge, t'as vu ? Et là, oh là là ! C'était la voiture, elle s'est reconstruite, elle s'est reconstruite. Nous revoilà dans la voiture. Toute neuve. Oh, ah, un kart. Voilà. Dans la voiture, ouais, elle fait, au moins elle n'est plus dans l'arbre. C'est un petit kart. Ah, c'est un petit kart, hein, oui. Au moins tu es descendu de l'arbre. Ah, énorme. Et finalement il roule, hein. Bof. On s'en va. Et du coup on s'en va. Ah, super la scène. Bien fait, hein. Ouais. Exactement comme ça. Attends, il y avait deux ailes à Alan tout à l'heure, maintenant il n'y en a plus qu'un, tu sais. Il fait les vieux. Je vais dire, faites-moi penser à remercier John pour ce merveilleux week-end. Il peut être n'importe où, il n'y a plus de clôture. Je vous en prie, restez. Oui, est-ce qu'on serait à le transporter? Allez-y. Hein. Oh putain, déjà. En fait, normalement, c'est quand ils sont en bas qu'il entend la terre bouger. Après, là, c'est une course, c'est ça. Oh putain. C'est qui conduit? C'est moi qui conduis, toi tu tires, toi. Quoi? Ah ouais, je tire. Hein. T'as un logo là, t'as un voyant. Un curseur. Ah oui. Vas-y, tire. Donc, attends. Je sais pas ce qu'il y a à faire. Donc, j'ai des. Si tu en fais manger 3, il y a un petit bonus, donc vas-y. Ouais, mais faut qu'il le et là, il y a Malcolm qui se recule comme ça. Et il arrive, il empêche Muldoon de passer la vitesse suivante, tu sais. Et du coup, il fait poussez-vous et tout. Et après, on le voit dans le rétroviseur, il y a écrit, tu sais, ils sont plus proches en vrai que dans le rétroviseur, un truc comme ça, tu sais, alors qu'il est déjà tout près dans le rétroviseur, tu sais. La petite joke. Allez. Non, mais nous, on est des survivants, on peut pas tester. Hein. Là c'est parti, on passe la vitesse. Donc forcément on roule plus vite. Ça se voit pas encore pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Ah, il y avait un truc là-bas. Ouais bah. En fait il y avait des. Ah bon, il y avait ça. Et là on l'a niqué là. Voilà, parfait. C'est ce que sera au programme de la visite. Et il revient. Incroyable. Et... Non, c'est moi qui jette. Et il nous mange. Et mais c'est qu'il nous ferait. Eh, c'est pas mal ces modes de course là. J'ai vu qu'il y avait des gameplays différents avec de la course comme ça, ouais. Parfait. Là, je vais encore donner. Ça la calme comme ça, là, ça le calme. Il y a les essuie-glaces en Lego qui sont à fond. Il y a des jolis angles de caméra quand même pour la course. Allez, ouais. Attention. Et là, c'est bon, il a été quand même chronométré à 40, mais bon, on va plus qu'à 40 au bout d'un moment, non? Wow. Levez de vitesse, poussez-vous. Oh putain, baissez-vous. Hop. Non, en fait, en vrai, il le casse, mais ouais. Il rage là. Il s'est fait humilier, il est KO. Parfait. Et il est content. Merci John. Voilà.
Il a la jambe cassée, le pauvre. Nous ne trouverons jamais la commande que Nedry a utilisée. Il ouais. a trop bien brouillé toutes les pistes. C'est le tirage dessus, hein, tu sais. Il en veut plus, tu sais. Ouais. Silence. Oh putain. Ok. Ah, il est en mode ultra rage là. Il faut couper tout le système. C'est oh le seul là. Moyen d'effacer toutes les opérations qu'il a faites. Donc, ok. Ok, alors, salut, avec clin d'œil et tout, ouais. Et c'est bien parce que c'est de l'humour, mais ça lui va bien, Malcolm. Il aurait ouais. très bien pu faire ça dans le film, hein, tu sais. Voulez-vous, s'il vous plaît, couper le système. Voilà, on coupe tout. Et également, l'enclos des raptors, malheureusement. Ouais. C'est pas bon, ça, hein. Ça fonctionne, du coup, système ready. La coupure a fait couper les jonteurs, bon voilà, voilà. C'est bon, je vais aller dans la remise juste en face, 3 minutes et c'est parti. Ouais. Bon, nous allons tous dans le bunker pendant que monsieur Arnold, voilà, en attendant qu'il revienne, évidemment. Enfin, moi, 3 minutes, attention, quand même. Voilà. Donc, hop, petite scène avec Nedry. Il mange du poulet. Il mange du poulet. Il mange du poulet partout. Il mange du poulet partout, ouais. Il y a du poulet partout quoi, il bouffe tout le temps. Oh putain! T'as encore dans le film hein? Il casse tout, il est embourbé, ça y est, il a trempé le panneau. Perdu ses lunettes en plus, c'est exactement pareil. En fait, il les perd dans la deuxième fois en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais là, c'est pas tout de suite. Il fait ah, gentil, le petit gentil, qu'est-ce que tu veux? Tu vas bouffer moi un poulet? Putain, tu veux un poulet, tu sais. Ouais, ils l'ont fait rapidement là. Ouais, ils l'ont fait rapidement. Bah, c'est normal, ils ont pas voulu que ce soit trop long. Et putain, il y en a déjà un dedans. Ah, il sent que c'est son poulet quand même. Ok. Et du coup, il sort ça. Mais, ouais, ça mais c'est juste barré dans la. Ah ouais, bah ouais, mais c'est pour ouais, dire, tu sais, qu'on va à la fin. Parfait. Donc voilà, troisième vidéo terminée. Parfaitement calibré en plus le temps. Génial. On a eu la scène épique, la grande scène. En fait, c'est lui le mec, regarde. C'est qui lui? C'est le chasseur. C'est le chasseur, c'est ça, c'est le chasseur. Ouais. Donc il faudra la refaire avec le chasseur, mais ça on fera ça plus tard de toute façon. Oui, non, c'est donc voilà, troisième partie. On a eu la grosse scène du Jurassic Park 1. Donc scène épique, hein. Très très bon, très intéressant à faire. Et puisque le mal, c'est que les scènes qu'on ne fait pas, on les a en cutscene. Ouais. Donc rien n'est oublié. Voilà. Ça va. Très bien. Nickel. Très bien, très bien. Après, c'est vrai que vu qu'on a pas fait le mode libre avec Ellie Settler et. Ouais, pour chercher Hammond, des trucs. Ouais. Bon, non, mais ça, c'est juste pour chercher des trucs en off. On peut même limite, on peut le faire parfois hors vidéo. Tu sais, juste. Ouais. Ah oui, on est tenu d'un père et tout. Mais ça, on pourra le faire, je pense, hors vidéo. C'est vrai que quand c'est déverrouillé, c'est qu'il faut les acheter. Ouais. Tu vois ouais. Et on jouera un peu en fait. L'argent, elle sert à ça parce que vu qu'on a plein d'argent, ça sert. Ouais, oui, mais je pense qu'on. Parce qu'en fait, là, voilà, on a fait les trois d'un coup. Et comme on fera pas la quatrième de suite, on va peut-être jouer un petit peu, tu sais, voilà, une heure si on veut faire un peu de off. Oui, on verra. XP ouais. En mode libre, un petit peu, tu vois. Ça peut être intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette partie, troisième partie. On espère que ça vous plaît. Hein. Nous, on est chaud, c'est cool. Non, c'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Tu vas revivre ça. Et puis, tu sais, on fait tout. Ah ouais, je me rappelle de ça et tout. C'est très bien fait. C'est Lego, donc c'est fidèle et c'est il y a de l'humour, donc je trouve ça très très sympa, vraiment. Voilà. Et donc on vous donnerez-vous la semaine prochaine, parce que normalement ce sera notre vidéo, donc ce sera samedi ça. Ouais. Et on se retrouve lundi pour la suite et peut-être la fin. Non, c'est pas le... la semaine prochaine on finira le film, oui. C'est oui, sûr, oui, hein. C'est, ah, oui c'est... en deux semaines on fait un film, je pense. Ouais. Hein, donc ouais. Exactement. Allez, on vous donne rendez-vous toujours sur, comme d'habitude sur le site letchemen.fr pour continuer cet été à faire la folie et s'amuser toujours en jeu vidéo. Allez, à bientôt. Voilà, merci, au revoir. Au revoir.